Une fonction qui est bien pratique sur WhatsApp, c'est le partage de liens dans une story. Là, pour l'exemple, j'ai un contact qui consulte ma story contenant un lien. Il lui suffit alors d'appuyer sur ce lien pour voir apparaître une description du site correspondant. Et en appuyant sur cette description, il a accès directement à celui-ci. Donc pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir le navigateur internet de votre téléphone. Vous n'avez qu'à recopier l'adresse de celui-ci. Dans ce cas, vous la sélectionnez tout en haut et vous restez appuyé dessus et vous sélectionnez copier. Ensuite, vous ouvrez votre application WhatsApp et vous allez dans l'onglet statut et vous appuyez sur cette icône. Et à partir de là, deux possibilités. Soit vous tapez vous-même l'adresse de ce lien, ou alors vous restez appuyé sur l'écran et vous appuyez sur coller. Et à partir de là, WhatsApp va reconnaître votre lien et va vous afficher une description de celui-ci. Et pour finir, pour créer votre story, il ne vous reste plus qu'à confirmer avec la flèche.